Bonjour à tous les astrophiles et tous les amateurs de mes petites interprétations astrologiques. Bon voilà, je ne suis jamais sûr que je vais pouvoir faire ça chaque mois, mais j'essaye. Donc là on y est. Alors, comme vous avez remarqué, tout se passe bien dans le monde actuellement, puisqu'on rentre dans la balance, et que c'est le signe de la paix et de l'amour. Et de l'harmonie. Et de l'harmonie. Bon, alors, donc pour ramener un peu l'astrologie à ce qu'elle est vraiment, le signe de la balance, c'est le signe des contrats, c'est le signe des rapports, mais c'est celui aussi, on dit la maison 7, c'est la maison des amis, du couple, tout ça, mais c'est aussi la maison des ennemis. Ça, c'est souvent oublié. Donc en fait, la balance est un signe où on peut potentiellement faire la paix, on peut potentiellement faire l'amour, on peut potentiellement, voilà. Mais la réalité du signe de la balance, c'est un signe où on doit trouver un équilibre en se confrontant à l'autre. Il y avait certains écoles ésotériques qui pouvaient appeler ça harmonie par le conflit, c'est-à-dire il y a conflit entre deux opposés, deux pôles, les deux pôles de la balance, et on va essayer de trouver un compromis, un équilibre entre deux théories, deux idéologies, deux pays, voilà. Donc ça c'est quand même c'est un signe très très social. On vient de rentrer donc là dans l'équinoxe d'automne. Là je vous parle. Il vient d'avoir lieu aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, on peut remarquer tout de suite que ça va concerner tous les 6 mois qui vont venir. Hein. En fait, il y a plusieurs entrées dans l'année. Tout le monde croit, c'est le bélier, bah oui, puisque le zodiaque démarre au 0 degré bélier. Mais il peut démarrer au 0 degré capricorne si on insiste sur les fondements spirituels d'une année. Moi, c'est ce que je fais tous les ans. Je démarre jamais le thème de l'année au 1er janvier. Je démarre au moment où le soleil rentre en Capricorne, parce que ce sont les fondements spirituels d'une année. Or, le fondement spirituel, c'est ça qui va déclencher, quand le soleil passe en bélier, au printemps, donc, qui va déclencher l'entrée dans le printemps, donc, mais aussi dans l'action de l'année. Or, l'action dépend de ce qu'on a pensé en amont. Personne ne crée une action sans l'avoir pensé. Enfin, dans notre monde, hein. Dans le monde des animaux, oui, bien sûr. Mais dans le monde des humains, on veut quelque chose, on espère quelque chose, et puis on déclenche quelque chose. Donc, alors, le signe de la balance, c'est l'entrée dans l'équinoxe d'automne. Et ça, c'est le début de l'année sociale, de l'année culturelle, de ce qui va définir le comment cette année on va vivre ensemble. Donc, c'est aussi un autre début d'année. D'ailleurs, les Juifs, dans le monde hébraïque, ont défini le début de l'année par le soleil rentrant en balance. Alors que les Perses, c'est les Iraniens actuels, donc les Perses avaient défini plutôt l'entrée dans l'année, plutôt au 0 degré bélier. On a encore des marques de ça, avec le 1er avril, le poisson d'avril, tout ça. On avait le poisson dans le dos, le poisson d'avril, c'est-à-dire, on avait le poisson dans le dos, et ça voulait dire, en fait, alors avec le décalage, ça tombait 21 mars, et le poisson d'eau, ça veut dire on sortait de la fin de l'année qu'on avait dans le dos. Alors il y avait des blagues et tout ça, parce que c'était la fête, pour entrer dans la nouvelle année avec le bélier devant. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs définitions de l'année possibles, plus celle de l'année civile qui commence au 1er janvier, et donc à une dizaine de degrés Capricorne. Donc, quand on regarde le thème de la balance, il y a cette année une lune en Lion. Un ascendant Lion, si on place ça à Paris. Donc c'est une année assez importante où il va falloir que la France affirme un certain nombre de valeurs avec force, si on veut avoir une chance de se faire entendre. Voilà, je ne vais pas trop interpréter ce thème, je ne suis pas là pour ça, mais c'est un thème voilà qui le donc balance forcément, puisque c'est la définition, avec un Mercure rétrograde juste sur le Soleil, donc une conjonction Soleil-Mercure. Intérieur l'importance de l'ascendant et de la lune et la lune conjoint Cérès en Lion, donc une importance du signe du Lion, donc de valeur forte, de communication, d'image, tout ça pour cette année. Donc notre président Macron va avoir du boulot pour encore faire redorer son image. Voilà, je passe vite fait parce que c'est pas ça que je vais parler de la nouvelle lune. Et donc on va essayer de regarder donc quelques jours plus tard, hein, puisque là on est sur le 23 septembre, puis la nouvelle lune est le 25 septembre à 23h55. Donc alors pensez à méditer à cette heure-là. Je ne vous répète pas comment on fait, mais pensez à commencer la méditation plutôt avant, parce que juste avant, il y a un moment de préparation où on va évacuer en fait la fin de la lunaison.
Et au moment clé où démarre la nouvelle lune et l'once, c'est-à-dire à 23h55 le dimanche 25 septembre, donc après-demain, si on, pour ceux qui écoutent ça, enfin bon, dimanche 25 septembre donc, et là, prenez bien le temps de vous relaxer avant pour pouvoir émettre vraiment dans le cœur, dans la paix, une émotion positive, ou une visualisation positive, ou une méditation totalement en silence, c'est encore mieux quelquefois, parce que ça permet au divin d'agir encore mieux en nous et autour de nous. Et en faisant rayonner ça autour de nous, puisque ça sera le début de la balance, donc c'est important de penser à tout ce qui se passe dans le monde, au niveau international et tout ça, parce qu'on n'est pas, on fait pas de l'astro que pour son petit problème. Ah putain, je suis bélier, est-ce que ça va aller si je rencontre quelqu'un qui a du signe du cancer? On m'a dit qu'on pouvait pas s'entendre. Bon, ça c'est un peu des bêtises, la manière d'utiliser l'astrologie d'habitude. C'est un peu dommage, parce que ça a une vertu de pouvoir aller très loin dans l'interprétation de ce qui se passe au niveau collectif. Alors je vous rappelle qu'on est obligé de se rendre compte de ce qui se passe au niveau collectif actuellement, parce que on est dans une civilisation qui est en train de se casser la gueule, en gros. Je l'ai déjà prévenu déjà de ça plusieurs fois. Les quatre cavaliers de l'Apocalypse, j'ai été depuis une onzaine d'années, déjà une douzaine presque, assez clair sur ce qui allait arriver à notre monde tel qu'il est constitué. Une chute d'une civilisation. Bon, maintenant, depuis après 4-5 ans après, il y a le bouquin de Pablo Servigne qui est sorti, qui a confirmé complètement, en étayant ça de manière très, avec des études scientifiques, et en reprenant les études du GIEC, qui a étayé totalement ce que j'enseignais déjà depuis 5-6 ans, c'est-à-dire qu'on va vers, il appelait ça un effondrement, une fin de civilisation, et que cette fin de civilisation est forcément dangereuse, parce qu'elle peut donner lieu soit à plus de solidarité, soit à plus de guerre et de conflits, et de rapacité de la part de certains. Alors, on peut présenter ça justement dans les deux plateaux de la balance. Est-ce que c'est la rapacité qui va gagner, qu'elle soit rapacité au niveau de l'argent, au niveau de la conquête, au niveau de vouloir contrôler le peuple, au niveau de la santé? Je suis en train de citer les quatre cavaliers de l'époque, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, la rapacité de l'argent, c'est ce que j'avais mis le cavalier de terre, donc, représenté par les États-Unis, mais évidemment, tous les pays sont capitalistes maintenant, hein, même s'ils ont un régime soi-disant communiste ou autre, ou dictatorial, tout ça, ils sont tous capitalistes. Donc le modèle américain qui a triomphé de ce point de vue-là, du point de vue haut, le modèle de l'État maman qui prend en charge la santé de tous les citoyens et puis qui les protège en les vaccinant plus, hein, même si ça ne sert à rien, avec la panique, mon Dieu, s'ils étaient malades, mes enfants, il faut absolument que je les protège en leur injectant des produits. Donc, c'est pas trop toujours si ça va marcher, mais il vaut mieux qu'ils soient bien vaccinés plutôt que pas du tout. Ça, c'est le deuxième cavalier de l'Apocalypse qui va entraîner la maladie, parce qu'au lieu de renforcer les systèmes immunitaires, on est en train de les affaiblir par les injections de produits qui n'ont rien à voir avec ce que le corps peut faire. Le troisième cavalier qui représente la mentalité, on va dire, dogmatique ou sectaire, et qui est représenté, alors pareil, il y a plein de pays où c'est en train d'avoir lieu. Hein, t'as pas dit que c'était la France pour la oui, maman. Oui, c'est la maman. France qui est un peu le pays maman par excellence. On pourrait élargir à l'Europe, hein, mais effectivement c'est la France, le modèle un peu de zéro risque, donc tout le monde assuré, tout le monde protégé, tout le monde confiné et tout le monde confiné. Voilà, donc ça c'est une société de consommation qui veut le bonheur absolu de ses citoyens, même contre leur gré. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, le domaine un peu idéologique poussé à fond, c'est un peu les deux modèles sont Israël et l'Iran. Mais évidemment, c'est pas du tout qu'eux, tous les pays qui sont animés par une foi exemplaire, y compris les États-Unis d'ailleurs, avec ce qui s'est passé sur l'avortement ces derniers temps, les États américains, c'est toujours au nom de la religion, quoi. On a tout esprit religieux qui se permet en fait de faire des choses parce que Dieu me l'a dit, c'est extrêmement dangereux. C'est pas du tout ça la spiritualité. Et bon, il y a eu d'ailleurs quelques Arte a fait quelques documentaires d'ailleurs sur ça, sur des dérapages dans le bouddhisme. Alors le problème c'est que ça a tendance à pas définir clairement qui on accuse réellement, mais bon. Alors si les accusations sont bien faites sur des noms, mais on a tendance à englober toute la religion derrière. Bon ben, moi, je dis souvent, bon, bah, par exemple, le docteur Petiot a dû tuer, je ne sais plus combien, une quarantaine de personnes en les invitant dans son cabinet. Ils sont passés par la salle d'attente, ils ont attendu la consultation, et puis et on ne les a jamais revus, il les a fait cramer dans un four.
c'est pas parce que le docteur Petiot a fait ça que tout cabinet de médecin est dangereux ou que tout médecin est condamnable. Donc pareil pour les dérapages au Vatican, les dérapages. Il y a des tendances, il faut pouvoir étudier ça en profondeur pour voir quelles sont les tendances dans chaque religion qui feraient qu'elle deviendrait dogmatique ou sectaire, qui empêchent cette liberté fondamentale qu'est la spiritualité, c'est-à-dire se libérer des conditionnements. Or, les religions, très souvent, sont devenues des conditionnements comme les autres. Et là, évidemment, ils peuvent. Mais l'idéologie communiste est une religion, etc. Il y a beaucoup d'idéologies qui font exactement pareil. Hein. L'idéologie franc-maçon qui essaye de remplacer toutes les religions par la Trinité, liberté, égalité, fraternité, devient à force de partout rituel, où il y a des systèmes de domination. Partout où il y a un système de domination, dans la politique, dès l'instant où il y a une espèce de virilisme, souvent d'ailleurs, et un système de domination. On trouve du système de domination avec la nouvelle Thatcher qu'ils ont en Angleterre actuellement, c'est pas mal aussi. Hein. Pourtant, c'est une femme. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand il y a une pyramide fausse qui est basée sur, avec au sommet, des pouvoirs dominants. Ça a beaucoup été construit par le patriarcat, mais pas que par ça. Ça a été beaucoup construit par le capitalisme, mais pas que par ça. Donc il faut réfléchir profondément. L'astrologie permet de comprendre ça. Avec les planètes Saturne, les planètes de Bacchus, par exemple, que j'utilise beaucoup, permettent vraiment de comprendre comment ça se construit, ces systèmes. Et ces systèmes peuvent étouffer complètement la liberté essentielle de l'être humain, qui est de se construire au fur et à mesure par l'amour, la liberté et la conscience, quoi. Donc, ça c'est important de se rappeler. Alors, pour terminer sur mes quatre cavaliers, le quatrième cavalier qui est celui de la domination justement absolue, celle qui tout citoyen va être complètement esclave, totalement soumis, obéissant de manière absolue au système institué pour son bien également. C'est la Chine qui donne un exemple, mais évidemment, toutes les dictatures actuelles qui existent dans le monde ont ce même processus qui est copié soit sur la Russie, soit sur la Chine, au sens que là, ça rigole pas et au moins on n'a pas de problème avec les opposants puisqu'ils sont carrément. Ils sont carrément envoyés en camp ou transformés même en organes. En Chine, c'est ça. C'est des opposants qui, quand ils sont jeunes, sont transformés en organes réimplantables. Il y a des cliniques à Pékin où on réimplante les foies, l'estomac, le cœur de jeunes femmes et de jeunes hommes qui avaient eu le tort de faire partie d'un groupe de Qigong qui faisait de l'ombre au pouvoir chinois. Donc c'est pour dire, ces quatre cavaliers de l'Apocalypse, ils poussent le bouchon très très loin dans une direction qui peut se révéler extrêmement dangereuse pour toute l'humanité. Et ils sont tous les quatre en train de cavalcader à fond en ce moment. Et le résumé, le cinquième cavalier, ce que j'appelle le cinquième cavalier, alors que dans l'Apocalypse il n'est parlé que de quatre, je le résume par Poutine parce qu'il rassemble... Dans son histoire, comment il est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a fait, il rassemble les quatre cavaliers à la fois. C'est ça qui est formidable. Il est à la fois religieux, il est à la fois soi-disant au service complet de son peuple, à la fois extrêmement autoritaire et à la fois extrêmement issu des mafias capitalistes, des oligarques russes. Donc il rassemble les quatre et il en a fait un mélange parfait par lequel le pouvoir d'un seul sur tous peut être parfaitement solidifié, installé et inébranlable, c'est-à-dire inattaquable. Voilà. Donc le Kremlin est devenu une espèce de tour gardé dans lequel, évidemment, on peut comprendre que des gens de la CIA ou tout ça ont pu penser, je ne sais pas, hein, mais ils ont dû penser, est-ce qu'on pourrait simplement éliminer ce dangereux paranoïaque et donc permettre que des gens, à la suite de ça, redressent la Russie en la faisant aller dans une direction moins débile, puisque c'est cet essai de retenir l'espace vital, Lebensraum, d'Hitler, quoi, l'espace vital qui est l'ancien empire que j'avais avant que les autres me le grignotent. La France pourrait réclamer l'Europe, la Turquie d'ailleurs le fait, réclame d'autres zones comme le Kurdistan, tout ça. Et la Russie réclame évidemment l'Ukraine et tout, même plus loin, elle peut réclamer tous les anciens pays qui étaient à sa botte pendant le pacte de Varsovie, quoi. Donc en fait, chaque pays pourrait réclamer ça, et on sait, avec la Deuxième Guerre mondiale, que ça aboutit à une catastrophe, Napoléon l'avait fait, ça aboutit à une catastrophe, on construit pas une union des pays par la force comme ça, on n'annexe pas un pays pour lui dire « je te libère », quoi, comme il fait en ce moment en Ukraine. Donc forcément, ce délire, ayant déjà échoué
profondément avec le nazisme, et puis les annexions de la Chine par le Japon, etc. Enfin bref, l'Italie qui annexait aussi, ils avaient annexé l'Éthiopie, les pauvres, mais enfin bon, c'était le même délire d'annexion. Tout ça ne marche pas, ça ne peut aboutir qu'à des catastrophes humaines et c'est extrêmement dangereux. Mais on voit remonter ça actuellement, Uranus se retrouvant en taureau au même endroit qu'il était il y a exactement 84 ans, c'est-à-dire, si on compte bien, 1938. Voilà. Et alors, réfléchissez à ce qui s'est passé en 38 et vous comprendrez qu'il essaye de nous faire le coup de l'Anschluss avec le Donbass, avec ses paysages. Ils vont voter très très librement, très très démocratiquement, avec des gens de Wagner à côté, avec des Kalachnikov. On interroge les gens avant pour vérifier s'ils vont bien voter. Évidemment, ils votent très bien. Bon voilà, le coup avait été fait par le Crimée, personne n'avait bronché. Maintenant, c'est le tour. Alors évidemment, le coup est pendable, c'est vraiment extrêmement dangereux, parce que ça consiste à dire, si ces gens-là votent pour retourner sous forme de territoire autonome vers la Russie, un territoire autonome comme le Tibet est un territoire autonome, ou les Ouïghours sont un territoire en Chine, par exemple, c'est le même genre d'autonomie, vraiment très très libre, quoi. Eh bien, à ce moment-là, si l'Ukraine veut récupérer ses territoires, alors elle sera en train de déclarer la guerre aux territoires russes, donc il y aura le droit de leur foutre une grosse bombe nucléaire sur la gueule. Le problème, c'est qu'avec les vents dominants et tout ça, ça risquera de tomber sur la gueule du peuple russe aussi. Et puis si le vent change de sens, ça retombera sur la gueule des Européens aussi. Donc ce type-là est un paranoïaque et il est extrêmement protégé à l'intérieur du Kremlin et dans une tour d'ivoire avec des gens qui sont choisis pour être parfaitement des espèces d'esclaves complets à son service. Donc on a un grand danger en ce moment. Alors on va lire ce thème pour voir est-ce qu'il confirme le danger ou est-ce qu'il nous dit, bon, est-ce que c'est du bluff parce que c'est quelqu'un de très malin. Et comme tous les paranoïaques, il est souvent... Enfin, pas tous les paranoïaques, mais beaucoup de paranoïaques sont extrêmement intelligents. Ça peut être des HPI, ça peut être des gens très très doués, qui sont extrêmement orgueilleux par rapport à leur propre capacité à analyser les choses, à dire les choses. Et du coup, quand ils sont au pouvoir, ils ne recherchent que le pouvoir. Hein, parce qu'on peut être HPI, très intelligent, et ne pas être paranoïaque, je signale quand même. Et on peut mettre son intelligence au service d'une science, d'un art, ou du dialogue, de faire émerger l'intelligence chez les autres. Hein, l'éducation, par exemple. Il y a l'éducation... De valeur, quoi. L'éducation a actuellement beaucoup besoin d'HPI pour qu'on sorte le système du cul-de-sac dans lequel il est. Alors, on va regarder donc ensemble où est-ce qu'on en est. Alors, sur le thème, c'est un thème, donc l'entrée du soleil en balance a déjà eu lieu, et du coup, la nouvelle lune a eu lieu sur 2,49 degrés de la balance, c'est-à-dire le troisième degré balance. C'est un degré un peu spécial. Si on le lit dans les degrés de Schler, il nous parle... J'ai perdu la page... un homme en bras de chemise est assis sur un tronc d'arbre, paraissant rêver, mais ses mains et ses pieds sont enchaînés, et dans une maison voisine, une large fenêtre grillagée laisse apercevoir une femme regardant avidement au dehors, ou un homme ayant les pieds... Donc c'est un degré qui est assez triste, où en fait, on voit dans les deux cas, l'homme ou la femme sont un peu immobilisés, l'un dehors et l'autre dedans, mais à chaque fois ils sont enchaînés, donc il y a une idée, c'est un degré qui peut être emprisonnant d'un point de vue... c'est le degré de Schler, c'est un degré... des degrés Jean Duce qui s'appelle aussi, ces degrés qui sont pulsionnels, qui indiquent quel est le karma accumulé sur ce degré-là, sur ce troisième degré balance, le karma accumulé depuis pas mal de temps. Alors heureusement, il y a Sabian qui avait fait d'autres degrés et qui donne une réponse qui permet de se libérer de ce degré. Donc on a un degré d'emprisonnement, l'impression d'être coincé, de rien pouvoir faire, et puis il y a un degré qui va nous dire un peu le secret pour libérer, et c'est un degré qui dit « l'aube d'un jour nouveau dévoile un changement total ». C'est un degré très très beau et très intéressant. La possibilité toujours actuelle de recommencer sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, c'est un degré qui propose carrément un changement de société. Hein, on a la possibilité toujours actuel de recommencer sur de nouvelles bases. C'est-à-dire, tout cycle qui recommence, c'est un nouveau cycle balance qui recommence, c'est un nouveau cycle social qui recommence, et on peut recommencer, on peut innover, même si les cycles, apparemment dans le ciel, ont l'aide des cercles qui reviennent toujours au même point, évidemment, on n'est pas obligé que cet Uranus en taureau redonne, comme il y a 84 ans, l'avènement du fascisme et la victoire du fascisme sur le monde entier.
ce qui est en train apparemment d'avoir lieu par certaines prises de pouvoir partout. Donc on a l'idée, l'être humain est innovateur en puissance. Il peut donc transformer par la solidarité sociale, par l'idée de en réfléchissant au type de civilisation qu'il désire, il peut transformer les bases anciennes, les réformer. Et du coup, chaque individu peut jouer son vrai rôle en tant que citoyen dans un ensemble social, collectif. Et ce nouveau rôle empêche la répétition du même. Il permet la création du nouveau. Philippe Guillemant parle de ligne de temps dont on ne peut pas sortir. Effectivement, tant qu'un cycle ne redémarre pas, là, on a un redémarrage d'un cycle collectif par cette nouvelle lune, mais aussi par le fait qu'on est rentré au début de la balance, eh bien, les trois premiers degrés d'un signe cardinal sont toujours très importants, hein, ça, je le signale. Et donc, c'est des degrés un peu magiques, un peu qui contiennent une possibilité de connexion. Philippe Guillemant, il parle qu'on peut sortir d'une ligne de temps en s'adressant à la conscience. On peut expliquer ça en disant que le temps, il y a le passé, il y a le futur. Et entre les deux, il y a l'instant présent, c'est la croix, c'est le symbole de la croix qui a été inventé bien avant le principe chrétien. Mais c'est un symbole extrêmement important pour la conscience. Ça veut dire que dans l'instant présent, vous êtes coincé entre le passé et le futur. Mais vous avez une liberté totale dans la verticalité de la conscience. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'instant présent, à chaque instant vous rentrez à l'instant présent, par cette présence à l'instant, vous pouvez vous libérer totalement du passé et vous libérer totalement du coup de la reproduction du passé sur le futur que le mental crée automatiquement. À ce moment-là, cette présence à l'instant vous amène une conscience plus profonde et plus haute, hein, c'est-à-dire c'est la croix va dans les deux directions, vers le haut et vers le bas. Et évidemment, à ce moment-là, le futur change. Le futur ne change pas parce qu'on veut changer le futur, il change parce qu'on change de mode de conscience dans le présent. C'est un peu ce que veut proposer ce troisième degré de la balance qui nous enferme apparemment on est bien dans une situation qui est le résultat des karmas du passé, le résultat de l'accumulation des erreurs des États, des erreurs du capitalisme, des erreurs de l'être humain en général sur lui-même, qui ne se comprend pas lui-même. Et puis de l'autre côté, on nous dit attention, ici et maintenant, vous pouvez innover. Donc c'est une lunaison très importante au niveau de la capacité d'innovation. Alors on va regarder si elle est possible, cette innovation. Alors il y a une opposition à Jupiter rétrograde, à chaque fois qu'une opposition, une planète lente est opposée au Soleil, en général elle est rétrograde. Donc Jupiter, Neptune en poisson juste avant, et Chiron en bélier juste après Jupiter en bélier également, sont forcément rétrogrades. On verra que Saturne l'est aussi, Pluton aussi, Uranus l'est aussi. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est cette opposition. Tout est rétrograde, presque. Beaucoup de choses sont rétrogrades. Oui, c'est pas. Alors, ça, c'est important de comprendre que quand les planètes collectives sont rétrogrades, voilà. C'est pas du tout un problème. C'est au contraire, parce que pour ceux qui ont dans une planète collective, Uranus, Neptune ou Pluton, ou Proserpine aussi, qui est directe, ils vont manifester très facilement cette planète. Mais souvent, ils vont la manifester de manière erronée. Alors, erroné, c'est un peu difficile de dire ça comme ça. Ils vont avoir tendance à prendre ce qu'il y a dans la société qui ressemble à cette planète pour le faire, je le fais mien. Je fais mien les expressions déjà existantes de cette planète dans la société et j'arrive très bien à l'exprimer. Par exemple, j'apprends à jouer les airs de guitare dès que j'ai 13 ans parce que j'ai un Neptune fort et puis j'imite très bien quelqu'un qui a été un dieu de la guitare, je sais pas, Jimi Hendrix ou je sais pas quoi, parce que mon Neptune est direct par exemple. À ce moment-là, je perds l'occasion de voir que Neptune, en réalité, me demande d'aller vers l'intérieur de moi-même, c'est-à-dire de découvrir mon âme, la conscience qui est au fond de moi-même. Donc ça, c'est... Donc quand là, on a Uranus, Neptune et Pluton qui sont tous rétrogrades, parfaitement en ce moment, c'est pas un problème. Par contre, Jupiter et Saturne le sont aussi. Ça, c'est plus difficile parce que ce sont les planètes sociales, donc on est un peu empêché d'avancer. Alors, Soleil, Lune, conjonction, c'est la lunaison, et opposé à Jupiter en bélier, c'est vraiment l'épanouissement d'un nouveau cycle. C'est vraiment l'envie d'un renouveau. Je ne sais pas si vous avez entendu les Anglais à la radio qui disent « It's a new world, it's a new era ». Carrément, ils annoncent des conservateurs en prêchant que grâce à ces conservateurs qui sont réélus, ils sont en train de prêcher une nouvelle ère, un nouveau monde. Tout juste, ils ne disent pas un nouveau paradigme, alors qu'en fait, ils sont complètement en train de essayer de relancer la croissance, c'est-à-dire l'ancien paradigme. Donc, on est dans ce besoin de renouveau. D'ailleurs, Jupiter rétrograde, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on revient en arrière en prétendant annoncer du nouveau. C'est ce qui se passe en Angleterre.
pour relancer l'économie. Je vais transformer toute l'Angleterre en les îles Caïmans. Et du coup, effectivement, les capitaux vont affluer. Toujours le même vieux système qui fait que plus vous êtes moins disant au niveau des droits sociaux et au niveau des impôts qui permettent de créer des hôpitaux et tout ça, plus en fait... Ils sont en train de les baisser là-bas. Oui, oui. Et les baisser... Et du coup, les investisseurs affluent. Ouais, évidemment, les investisseurs affluent. Quoi. C'est le principe que les mafieux aiment bien les endroits où on ne va pas leur demander de récupérer l'argent qu'ils ont volé. Donc, on pourrait dire que le capitalisme, là où il en est actuellement, c'est une légalisation à grande échelle d'une économie mafieuse. Et donc, on est loin de ce qu'on croyait sur le capitalisme, où en fait, ça allait amener la prospérité partout. Il est vrai qu'au XIXe siècle, ça a amené, il y a une convergence entre le libéralisme capitaliste quoi, et le libéralisme démocratique. Il y a une convergence qui était due à ce que c'était pas... Il y avait la conjonction Uranus Neptune qui a eu lieu. Enfin, c'est dû à deux cycles se sont croisés au même moment. Et effectivement, ça a pu être d'une... Pas pour tout le monde, évidemment. Pour les ouvriers, il faudrait repasser une fois. Mais cette conjonction a créé en fait, l'avènement d'un monde extrêmement créateur au niveau de la vapeur, les machines, l'industrialisation, qui fait que, comme dit Pablo Servigne, on a tous maintenant, en tant qu'occidental, à peu près 400 esclaves à notre service sous forme de joules, de watts, de quantité d'énergie disponible. Et avec les machines, les ordinateurs, grâce auxquels vous voyez ça, ça consomme énormément. Alors, est-ce que c'est mauvais, oui ou non? Il faut regarder, est-ce qu'on pourrait garder certains avantages évolutifs et en supprimer beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont créés que par le besoin de croissance et de bénéfices et qui ne servent à rien. Donc le Jupiter en Bélier, il nous indique qu'il faut vraiment un renouveau. Ce renouveau, il est conjoint à Chiron en Bélier, qui n'est pas très à l'aise en Bélier, ce Chiron. Hein, il faudrait des actes un peu évolutionnaires ou révolutionnaires qui amènent un changement. Mais tous les deux sont rétrogrades, donc ça retourne en arrière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qu'il faut pour créer un nouveau monde est déjà là. Les gens piaffent d'impatience d'avoir ce nouveau monde, de le déclencher, de le lancer. Et en même temps, les ponts, les liens, les moyens de le faire sont pas encore là. Pourquoi? Parce que ceux qui sont... Alors le Bélier, c'est les chefs, c'est ceux qui sont à la tête. Ceux qui sont à la tête, les chefs, essayent de rétro-pédaler, de revenir en arrière pour voir est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, être complètement écolo et en même temps être dans la croissance. Hein, c'est vraiment... est-ce qu'on pourrait pas empêcher que la forêt amazonienne brûle et que pour planter du soja partout et en même temps augmenter la consommation de viande alors que ce soja il est fait pour ça. Donc si ils marchent sur la tête quoi, ils sont complètement dans une contradiction et cette contradiction elle va apparaître en plein ce mois-ci, c'est-à-dire Greenpeace vient de sortir justement une pétition là-dessus qui dit bon voilà, est-ce qu'on peut arrêter de bousiller le poumon de la planète qui est la forêt amazonienne, parce que sinon on va tous en crever. Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter, et pour ça il faut arrêter les expéditions de soja OGM en quantité énorme ou de bœuf brésilien, voilà. Bon, si on a, comment on va arrêter ça? Ben, on va arrêter parce que les gens vont demander d'arrêter de le consommer. Ils vont s'apercevoir que c'est parce qu'ils consomment leur beefsteak là qu'il y a un arbre qui tombe au Brésil ou qui est brûlé au Brésil. Si cette équation n'est pas évidente dans la tête des gens, ils vont continuer à se dire, ben, moi j'aime bien le beefsteak, surtout avec de la purée comme faisait maman. Voilà, donc cet infantilisme collectif, il est redéclenché par l'ascendant cancer. C'est-à-dire l'ascendant et cancer, ça veut dire que quelque part, on va s'apercevoir que le peuple n'est pas coupable de ce qui se passe dans les grandes décisions collectives internationales, G7, tout le bazar. Mais il est responsable, parce que s'il veut protéger son petit précaré de droits d'un individu appartenant à tel ou tel pays, ses droits nationaux, ses droits citoyens, ça, en fait, en réclamant ses droits repliés sur des habitudes de consommation, des habitudes alimentaires, ça, évidemment, ce repli-là organise forcément le fait que les chefs, les gouvernants, vont essayer de faire fonctionner au mieux la voilà. Donc là, là, on retourne sur le plan avec cet ascendant cancer, Jupiter et le Soleil. On retourne sur le plan de l'exagération énorme qui est de la violence, quand on ne. De la violence, oui, c'est un thème assez violent, parce que tout est en cardinal. Le cardinal, c'est... On veut que ça change, mais en même temps, on ne veut pas que ça change. Et on accélère à fond et on freine en même temps. Et ça, on ne gère tout. Pas ces contradictions. On ne veut pas gérer les contradictions ou on les projette sur quelqu'un d'autre. C'est la faute à Macron. Macron va dire, bah oui, mais c'est votre faute à vous, puisque vous demandez... moi, je suis obligé de réguler l'économie. Et les économistes vont dire, c'est la faute aux banques. Et les banquiers vont dire, c'est la faute aux gens qui... etc. Donc là, à un moment donné, il va falloir qu'on voie collectivement, là, c'est un cancer, et puis toujours de se dire...
en tant que famille humaine, qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre? Est-ce qu'on peut pas diminuer notre mode de vie dans les pays qui sont dits riches? En fait, quand on gagne 1500 euros par mois en France, on se dit putain, je suis dans la merde, je fais partie des pauvres. Si on gagne 800 euros par mois, ce qui arrive des fois, le RSA par exemple, je sais plus combien c'est, 500 et quelques, 600, quand on est là-dedans, on est fait partie des très pauvres. Voilà. Or, il faut savoir qu'avec ça, dans certains pays, vous faites partie des très riches. Donc, si on fait la moyenne mondiale, il faudrait qu'on soit capable plus de vivre avec les 700, 800 euros par mois. Et ça, c'est insupportable de dire ça à des Français. Parce qu'en fait, c'est réel. Si on veut revenir à quelque chose qui soit pas un poids écrasant pour la... Alors, évidemment, on va dire, commence d'abord, toi, on va dire ça aux riches. Mais je crois que tous ceux qui peuvent le faire doivent essayer de donner l'exemple de cette sobriété et tout ça. Là, je suis d'accord avec Macron, sauf que Macron, lui, il prêche sa sobriété, et de l'autre côté, il va renforcer, il va enlever des impôts aux plus riches, comme l'a dit Amné Hollande, c'est le président des... Non, c'est pas le président des riches, ah bon, c'est le président des très riches, il a sorti ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense que, comme les Anglais en ce moment, les investisseurs doivent affluer à l'endroit où on leur fait tout gratis. Donc les riches ne doivent rien payer du tout. On doit même leur donner de l'argent pour qu'ils viennent, parce que ruissellement. Évidemment, le ruissellement, c'est une théorie complètement fausse, mais il est le seul à ne pas être courant, parce qu'il fait partie des gens qui ruissellent tous les jours sur eux-mêmes. Ça ruisselle effectivement, mais dans leur poche. Donc cette tension, cette violence va apparaître ce mois-ci très fortement, parce que Jupiter, c'est un amplificateur, et il amplifie la relation entre le peuple qui dit on veut être à l'aise, on veut pas être pressuré, et puis le Soleil en Balance qui dit oui, mais il faut changer de société, et Jupiter Bélier, Jupiter rétrograde en Bélier, Chiron en Bélier, qui dit ah ben oui, mais le chef a dit que c'est dans cette direction-là qu'on doit aller. Marc, actuellement, si tu as 700 euros de loyer, tu peux pas te permettre de gagner. Exactement, c'est, voilà, c'est-à-dire les choses sont organisées de manière que t'as pas une chambre à 10 dirhams, comme on dit dans certains pays. Voilà, là, c'est le moindre petit gourbi va être à 500, 600, à Paris, je sais pas combien, c'est à 700 euros de loyer par Paris, t'as 3 mètres carrés avec un lit pliable accroché au mur, et puis le WC c'est dans le couloir, quoi. Voilà, et puis un lavabo pour prendre ta douche. Enfin voilà, donc c'est et ça coûte quand même 700 euros, parce que t'as quand même vu, c'est dans un quartier pas très loin du métro, donc quelle chance, tu peux pouvoir prendre le métro tous les jours, waouh, donc t'as pas à te plaindre, quoi. Donc si on regarde ce thème par ailleurs, donc ça c'est des grosses dominantes qui sortent, c'est... alors comment cette nouvelle lune, est-ce qu'elle est vivable? Il y a une belle conjonction Vénus-Mercure, dont Mercure est rétrograde, Mercure recule aussi, alors ça c'est, il y a beaucoup de planètes rétrogrades, donc c'est un mois de réflexion, il va falloir vraiment réfléchir, il va falloir turbiner dans la tête pour vraiment comprendre ce qu'on doit faire, parce que sinon c'est bloqué de partout. Hein. Si vous voyez le raisonnement que je fais entre les écolos, les capitalistes, les nationalistes qui ont peur pour leur pays aussi, les Russes et tout ça, ça concrètement, ça bloque de partout. On est dans une phase de montée de violence, parce qu'on ne veut pas comprendre qu'on est une seule humanité et qu'on n'a qu'une seule terre. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut se rappeler. Alors, ouais, mais va-t'en expliquer à ça à Poutine. Ah, et Vladi, tu veux bien m'écouter un peu? C'est un peu difficile, quoi. Il a du mal à comprendre ce genre de raisonnement, ce garçon. Bon, donc, est-ce qu'on voit apparaître des solutions? Alors, ce Vénus-Mercure s'est dit, comment discuter? Alors, c'est en maison 4, en Vierge. Le fond du ciel est en Vierge, et Cérès est en Lion. Si je dis, c'est-à-dire que toutes ces planètes-là, le fond du ciel, Mercure, alors Apollon est au milieu de la Vierge, et Mercure et Vénus sont en Vierge aussi. Donc il y a beaucoup de Vierges. Et par-dessus la frontière de la balance, ce qui veut dire que il y a une contradiction. Soit on réfléchit, soit on analyse et on est raisonnable, soit on veut faire bouger les choses. Alors faire bouger les choses, ça peut être des militants, ça peut être Greenpeace, ça peut être Poutine. Ça peut être le président ukrainien, faire bouger les choses. Il ne faut pas en rester là, on ne peut quand même pas en rester là, c'est impossible. On peut mettre la même parole dans la bouche de Poutine que dans la bouche des Ukrainiens ou dans la bouche de la nouvelle ministre, première ministre anglaise. On ne va quand même pas en rester là. Donc il y a cette volonté qui veut avancer,
Puis Vénus-Mercure, qui sont les moyens de réfléchir, qui est harmonieusement, donc Vénus est maître de la balance, donc comment réfléchir harmonieusement? Allons voir en Vierge, Vénus n'est pas très heureux en Vierge. Hein. Vénus en Vierge, il veut des éléments concrets, il a du mal à être dans l'harmonie. Et Mercure rétrograde en Vierge, il est bien en Vierge lui-même. Donc on réfléchit bien, on va se poser, on va essayer d'être raisonnable. Et il y a Apollon, qui est en Vierge aussi, et Cérès, qui commande la Vierge, et est en Lion lui. Et le Lion, c'est le signe de l'affirmation forte. D'ailleurs, si on regarde... l'ascendant de cette nouvelle lune, pour toute l'Europe, il est ascendant Cancer. Ah oui, mais pour Moscou, c'est ascendant Lion. Le Lion qui est un signe conquérant, qui est un signe qui veut avoir raison, qui est un signe qui a du mal à reconnaître, qui n'accepte pas d'être vaincu, ni d'être... voilà. Donc cet ascendant Lion, uniquement pour Moscou, je dois l'avouer, m'inquiète un peu. On a donc une dissonance très forte entre... Alors, évidemment, avec cet ascendant en Cancer, la Lune en Balance qui veut équilibrer les choses, qui est conjointe au Soleil parce que c'est la nouvelle Lune. Donc il y a un côté solaire intéressant, mais Soleil en Balance, c'est pas très bon pour le Soleil, c'est plus fort à la limite presque pour la Lune. On a envie de paix, quoi, mais est-ce qu'on peut la réaliser, Soleil, la réaliser, la montrer, l'affirmer? C'est bon pour les concertations sociales, par contre. Voilà, c'est bon pour tout ce qui est compromis, essayer de faire la diplomatie, essayer de voir ménager la chèvre et le chou. Mais on sait que tous les pays européens sont spécialistes de ça et que ça ne donne pas grand-chose pour l'instant. Et puis Mercure-Vénus en Vierge ramène au devant de la scène la question de l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, soit on fait la guerre, soit on sauve la planète. On ne va pas pouvoir faire les deux à la fois. C'est ça le problème dans lequel on est. Si on fait augmenter le budget de l'armée parce qu'il va falloir vraiment se défendre contre quelqu'un qui a un esprit... Le délire du Donbass et la Crimée, c'est le même délire qu'avait fait d'abord Hitler avec les Sudètes, puis ensuite avec l'Anschluss en Autriche. Exactement le même scénario. Donc c'est presque des copier-coller. Donc ceux qui me disent « Ah ouais, mais non, c'est des autonomistes russes, ils veulent être libérés des nazis ukrainiens. » Comment on a pu réussir, grâce à Russia Today, à faire avaler des couleuvres pareilles, des tas de gens qui se pensent être des opposants, qui se pensent être des opposants démocratiques, qui se pensent être en train de vaincre la doxa de la CIA, la doxa de l'Amérique et du capitalisme dominant. Mais ces gens-là ont 30 ans de retard. Moi, je me rappelle avoir milité pour le boycott de la Coupe du Monde en Argentine, parce que c'était... On entendait les cris dans le match de foot, on pouvait entendre les cris des torturés, ils disaient, c'était pas faux, c'était à 800 mètres du stade. Et on disait, les cris de joie du début couvrent le cri des torturés. Et on essayait et qui est-ce qui protégeait ces Coupes du Monde? C'était la CIA, tout ça, qui était derrière tout ça. Là, il fallait se battre contre les Américains. Au moment où, tout d'un coup, les rapports sociaux internationaux ont changé et qu'on voit des dangers beaucoup plus grands arriver, on peut continuer à se battre contre la CIA et tout ça, mais ils sont en train de changer. Depuis Obama, ils sont en train de changer. On a eu Trump entre les deux, qui a foutu une grosse merde, tout en prétendant amener la paix. En fait, il a replanté des germes de guerre. Mais le Biden, même si ça reste un Américain moyen, je rappelle que les États-Unis font partie de l'un des quatre cavaliers de l'apocalypse, donc je ne suis pas en train de défendre les Américains du tout, je suis en train de vous dire réveillez-vous, vous avez 20-30 ans de retard en pensant que Poutine est un démocrate ou un truc comme ça, c'est complètement absurde, et ça commence à se voir. Bon, à partir du moment où il y avait Russia Today qui défendait tous les antivax sont devenus pro-Poutine, mais c'est idiot, on ne peut pas confondre un sujet comme la vaccination, c'est-à-dire là, quand on lutte contre une vaccination obligatoire avec un produit mal ficelé, mal vérifié, enfin en cours de vérification, toujours pas fini, et qu'on lutte contre ça, on lutte contre le cavalier de l'apocalypse français, c'est-à-dire cet ordre des médecins complètement absurde. Il y a une pétition d'ailleurs que vous pouvez signer pour la suppression de l'ordre du médecin, qui est le dernier ordre fasciste péténiste en France. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'en astrologie, on dit que le thème astral du début de quelque chose manifeste toute la création de toute l'existence de cette entreprise ou de cette association ou de l'ordre des médecins a été créé par Pétain en plein avènement du fascisme en France. Donc voilà. Donc ça c'est donc l'un des derniers relents. Donc il faut lutter, quand vous êtes français, il faut lutter contre le cavalier français. Quand vous êtes américain, il faut lutter contre le capitalisme et pour l'écologie. C'est l'un des pays qui peut vraiment vivre l'écologie, les États-Unis, et non pas craquer du bitume là ou du gaz de schiste. Ah ouais, les Anglais, ça y est, ils vont redémarrer le gaz de schiste. Oui, parce que les Anglais, mais l'Angleterre, c'est pas en Europe.
c'est aux États-Unis. Il faut comprendre ça, parce que historiquement et ésotériquement, c'est un pays anglo-saxon. En fait, les anglo-saxons sont répandus en Australie, aux États-Unis et en Angleterre, en gros, rapidement. Il faut comprendre ça comme ça, parce que sinon on comprend mal les groupes, comment ils se dessinent. Et l'Europe est au milieu, avec une possibilité de créer un monde nouveau, si elle lâche son esclavage financier avec les banques américaines. Et pour ça, il faut créer un nouveau statut de l'Europe qui ne soit, soit pas un excès de néolibéralisme à l'américaine, en allant encore plus loin dans le sens du néolibéralisme que les États-Unis. Parce que les États-Unis, ils financent leurs entreprises quand elles se cassent la gueule, aux grosses entreprises, ce que ne fait pas l'Europe, qui dit concurrence libre et non faussée. Ah, la belle blague, on est les seuls à croire là-dedans, à cette fable-là. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a encore dans ce thème? On va terminer pour que ça ne dure pas trop longtemps. Les raisonnables vont se trouver opposés aux idéalistes, puisque Neptune est en poisson là-haut. Et donc, on a un petit problème, c'est qu'on va avoir d'un côté l'esprit religieux qui va nous rappeler que tout le monde n'est pas raisonnable sur Terre. Donc, si vous voulez, tous les cavaliers de l'Apocalypse se déclenchent tous en même temps. Et alors, le cavalier macronien de « il faut tous vous vacciner de force, sinon vous perdez tous votre emploi et vous n'aurez plus le droit d'habiter que dans la rue », il n'est pas encore lancé parce que Macron a un petit peu peur pour ses fesses, mais il va essayer de le lancer de toute manière dès qu'il y a un nouveau, d'ailleurs déjà là, le nouveau variant, je crois, dès qu'il va y avoir un nouveau variant qui va arriver, on aura les quatre cavaliers d'Apocalypse lancés en même temps, et le cinquième qui mène la danse. Comment faire pour qu'il arrête de mener la danse? En fait, le faire abattre par la CIA ou par le Mossad, oh la bonne idée. Le problème, c'est qu'il a déjà prévu qui doit la remplacer pour appuyer sur le bouton nucléaire. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je recommande toujours la même chose, mais les gens ne comprennent pas, ils croient que je suis un doux rêveur. Je recommande toujours que les gens fassent des groupes de méditation et méditent partout dans le monde pour prier, pour méditer, et après qu'ils agissent. C'est-à-dire, il ne faut pas faire que méditer. Une fois qu'on a prié et médité, les idées positives apparaissent. En méditation, toujours les idées, et faire des boycotts, faire des pressions, et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a plein de gens qui sont en train de boycotter l'armée russe en Russie elle-même. Donc c'est pas la Russie qui attaque, c'est Monsieur Poutine, un paranoïaque. C'est de partout pareil. On peut le peuple ignore. C'est la Saint-Cancer, c'est ce mois-ci. C'est le pouvoir doit être au peuple. C'est-à-dire le peuple, c'est pas le peuple n'a plus aucun pouvoir comme porter les têtes des rois sur une pique comme en 1789. Si vous essayez de faire ça, c'est très difficile parce que y a des forces de répression qui sont extrêmement habiles, extrêmement fortes. Mais ça peut avoir lieu par une espèce de non-violence, mélangée quand il le faut, avec quelquefois, quand la violence en face est trop forte, il peut y avoir violence, mais jamais en attaquant avec l'idéologie, toujours en essayant de ramener le peuple au centre de tout ça. Voilà. Il y a une question? Ça va. Ok. Donc ça, c'est une vision qui est très difficile à comprendre parce qu'on n'a pas tellement d'exemples, mais on en a eu. La révolution portugaise a eu lieu comme ça. On l'oublie complètement. On a eu les révolutions... je ne sais plus comment ça s'appelle, le pays d'Amérique centrale. C'est Costa Rica aussi qui a fait une révolution douce, écologique. Il y a plusieurs endroits dans le monde où il y a certaines révolutions qui ont eu lieu, où en fait, même la révolution, le changement de la chute de l'URSS a lieu, grâce à Gorbatchev aussi, qui est mort récemment, hein, ça a lieu tout à fait pacifiquement, parce qu'il y avait une pression énorme, énorme du peuple qui savait qu'il avait la force d'exiger que ça doit changer. Après, les mafieux capitalistes se sont jetés sur la Russie. Voilà, exactement. C'est ce que Poutine n'a pas supporté. Mais il a bien fait partie de cette mafia, et voilà, les oligarques aussi, il en faisait bien partie. C'est là où il avait raison, c'est bien le seul endroit où il a eu raison. C'est-à-dire que le capitaliste s'est comporté très mal. Normalement, la lutte de l'Est contre l'Ouest, c'était la lutte entre le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Et ça mettait le monde à feu et à sang. À un moment donné, le bloc communiste a été annulé. Et Gorbatchev, dans sa grande naïveté, il était poisson, je rappelle, s'est dit, c'est la fin de la guerre entre deux blocs. Et on va rentrer dans un monde plus démocratique. Or, les Américains en ont profité à mort, c'est le cas de le dire, pour envahir tout avec leur système. Ils ont acheté les mafias locales pour leur dire, vous allez vous enrichir grâce à notre capitaliste. C'est-à-dire qu'ils ont vu ça, non pas comme une occasion de paix
qui était là, puisque la construction du radio Neptune a eu lieu en 91, 92. 93, je ne sais plus. Enfin, entre 89 et 93, en gros, vous avez cette conjonction Saturne-Uranus-Neptune en Capricorne. Donc, un nouveau monde est prêt à naître. Et les gens qui sont nés à ce moment-là, c'est tous les gens qui sont complètement habités par l'idée de Greta Thunberg, beaucoup. Ou alors qui sont coincés devant des écrans, comme c'est sans arrêt. Voilà. Soit ils sont malades mentaux devant des écrans, à TikToker, ils sont toc-toc donc. Soit ils ont compris que eux, ils doivent sauver la planète parce que sinon ils vont vivre dès 40 ans, ils vivront dans un monde de merde, ils en crèveront tous, d'avoir trop longtemps été dans leur TikTok et leur machin. Et ceux-là, ils sont nés, ils ont 30 ans maintenant à peu près maintenant, ils sont nés pendant cette conjonction Saturne-Uranus-Neptune en Capricorne qui est extrêmement importante pour l'avenir du monde. C'est un nouveau monde basé sur l'information. Bien sûr, mais toujours en Capricorne, un nouveau monde concret. C'est-à-dire que c'est le monde capitaliste doit basculer dans un monde démocratique où il y a une abondance, mais pour tous, pas pour certains pays qui se gobergent pendant que d'autres sont écrabouillés. Et ça, c'est les peuples qui doivent le réclamer partout. Et le moyen, c'est de renverser les systèmes en empêchant que des lois soient créées. Qui renforce encore le système de croissance, de privilèges, etc. Sinon, on ne peut pas en sortir. Les riches polluent environ 10 fois plus que les 10% de gens. Alors, c'est 10 fois plus 5, tonnes tonnes de CO2, les gens qui sont pauvres, ou même comme nous, quoi, moyen. Bah, nous, on a, contre on a 25... CO2, on a moins que 5 tonnes. Oui, mais enfin, c'est 5 tonnes la moyenne des gens qui vivent en ville, quoi, normalement, qui prennent leur bagnole et qui vivent en ville. Ouais. Et 25 tonnes les riches. Oui, donc environ le 5 rapport, fois plus. 4 tonnes si tu es végétal. 4 tonnes, bah, nous, voilà. Donc, nous, 3 tonnes, et le riche, 25 tonnes. Ouais, c'est ça. Donc ça fait quelque chose comme pas 10 fois plus, mais au moins 8 fois plus. Donc voilà. Voilà un petit peu le résumé. Je vois pas forcément, malgré la violence, je vois pas forcément un système de guerre, mais on est très proche de lutte idéologique. Alors ça peut être le mois suivant qu'on sera en Scorpion, parce que Scorpion est un signe. Mais là, il y a des pourparlers, il y a des jeux de force extrêmement dangereux. Qui Mars étant en maison 12 encore en Gémeaux, il est encore retenu. Il est en Gémeaux, c'est-à-dire c'est des coups de gueule, quoi. Il va y avoir beaucoup de coups de gueule. Ah oui, et des pourparlers aussi peut-être. Voilà, des pourparlers secrets, des coups de gueule. Le Scorpion, il y a le nœud sud qui est toujours là en Scorpion avec Posidon. On ne sait pas tout, on ne vous dit pas tout. Donc si en fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites en secret qu'on ne saura pas. Et Uranus près du nœud nord exagère la. Alors, je rappelle quand même la chose la plus importante, j'ai oublié de la dire, c'est que y a beaucoup d'aspects négatifs qui ont lieu pendant le mois d'octobre, qui ne sont pas faciles, mais il y a un truc principal, c'est que c'est le dernier carré Saturne-Uranus qui a lieu encore. Il n'est pas exact cette fois-ci, donc il n'est pas violent, et c'est cet aspect que j'avais décrit depuis 2021. Et qui a couvert toute l'année 2022. Et là, il se termine, il dure du mi-septembre 2022 jusqu'à pratiquement l'entrée en Scorpion, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ça, c'est la Russie, c'est Poutine. À chaque fois qu'il y a ce carré, vous entendrez parler de Poutine. Et effectivement, c'est ce qui est en train de se passer à nouveau. Il est en train encore de se piquer. C'est un aspect qui est paranoïaque, qui est paranoïde, et qui, pour les paranoïaques, ça les rend encore plus paranoïaques. Donc on est le plus grand danger, c'est ce mois-ci, bien que le thème a l'air de dire... Parler pour parler, et par la pression assez violente, on peut y arriver. Et puis il y a le côté raisonnable, la Vierge, qui représente souvent par la France l'Europe, mais qui semble ne pas être entendue par ce grand carré en signe cardinaux. Donc c'est pas joyeuse, et tous les cavaliers sont en train de se déclencher. Donc à nous de beaucoup méditer, beaucoup prier, parce que sinon, cette force que vous contenez en vous, qui peut être le désir de paix, elle va pas agir si vous l'envoyez pas violemment, j'ai envie de dire violemment, puisque c'est un aspect un peu violent qui a ce mois-ci, si vous, par le cœur, et rencontrer les gens qui veulent faire quelque chose. Il faut qu'il y ait des réseaux, il faut que les gens fassent quelque chose entre eux, et je relance toujours l'idée de spiritualité, on cherche toujours des gens, nous, qui puissent être des méditants et qui veulent agir en même temps. C'est pas d'un côté on médite, deux autres les militants, comme en France où c'est séparé et les militants critiquent les mystiques, ah ils sont fous et ça, et les mystiques disent ah bah non, ils sont trop violents. Non, on est dans un monde qui est violent, il faut pouvoir faire les deux en même temps.
Il ne faut pas se contenter de se regarder le nombril en ne faisant rien. Il y a des choses à faire, chacun à son petit niveau, mais c'est par le réseau, la solidarité entre les gens que ça devient une force. Si chacun fait un petit truc dans son coin, c'est bien aussi. Mais... Et alors, ce n'est pas que cliquer sur les pétitions, mais il faut les signer quand même. C'est, par exemple, mais ne pas croire que c'est une action suffisante. Il faut faire beaucoup plus et descendre dans la rue quelquefois, même si, évidemment, on nous fait croire que c'est dangereux. Et ça l'est, mais ce qui nous attend est beaucoup plus dangereux si on descend dans la rue. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Merci d'avoir écouté. Et puis, à bientôt. Au mois prochain, si on est encore vivant, si le grand paranoïaque n'a pas fait. Le grand boum. Antéchrist n'a pas fait boum. Quand votre voiture fait boum. Voilà. À bientôt, si vous voulez bien. Et puis, voilà. That's all.